Salut les loulous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo a nécessité énormément de logistique, un mois de préparation, des achats de matériel en tout genre. Vous le voyez derrière moi, on a deux navires de guerre qui ont clairement des allures de navires de guerre. Déjà parce qu'il y a des canons qui tirent des fléchettes en mousse, mais aussi parce qu'il... c'est tout. C'est vraiment le seul ustensile de guerre dont disposent ces bateaux. Nous allons faire aujourd'hui dans cette vidéo une bataille navale dans la vraie vie avec un maximum de youtubeurs. Pourquoi? Je ne sais pas. Je me réveille la nuit en sueur et je me dis, faisons une bataille navale dans la vraie vie. Pourquoi pas? Comme cette vidéo coûte très cher à réaliser, elle est sponsorisée par World of Warship. C'est un jeu de bataille navale. J'avais déjà joué à ce jeu sur ma chaîne il y a quelques années. Souvenez-vous. Vous voyez ces petits trucs blancs là dans l'eau? C'est ce qu'on appelle dans le jargon des petites salopes. C'est-à-dire des torpilles. Voilà. Et du coup, ils m'ont proposé de sponsoriser cette vidéo qui évidemment est totalement en lien avec le jeu puisqu'on va faire une bataille navale dans la vraie vie. C'est un jeu de bataille navale. J'ai l'impression qu'il y a une certaine logique. Avant que ne commence la vidéo, que je vous présente les youtubeurs, que je vous présente le concept, les règles, etc., il faut absolument que vous m'aidiez en téléchargeant World of Warship. C'est totalement gratuit. Le lien est dans la description. Et plus il y a de téléchargement, plus moi derrière j'ai des pour financer des concepts comme ça, et notamment celui-ci qui tout de suite a coûté de l'argent. Ça prend vraiment 3 minutes à l'issue de cette vidéo. Cliquez sur le lien, téléchargez le jeu si vous avez envie. Sachez que ça me soutient, ça vous coûte rien à part du temps. Voilà, prenez 3 minutes de votre temps si vous le voulez bien pour soutenir ce genre de concept. Merci d'avance, je compte vraiment sur vous. Mesdames et messieurs, voici les youtubeurs participants et les règles du jeu. Bienvenue sur cette bataille navale dans la vraie vie. Voici les règles. 3 équipes de 2 membres d'équipage sont formées. Tout d'abord, Cyril et Vodka, Joyka et Mastu, Neoxy et Amixem. Ces équipes s'affronteront en 2 contre 2, soit 3 parties de 10 minutes. Chaque équipe possède un navire de guerre d'une valeur de 200 millions d'euros, armé de canons et d'une artillerie pouvant atteindre une cible à plus de 30 km. Leur bateau est une réplique fidèle des navires de guerre modernes, exactement comme dans World of Warships. Ou alors, c'est plutôt une barque propulsée par un moteur de pêche et armée d'une tourelle qui tire des fléchettes en mousse avec une portée d'à peine 10 mètres. Ah, et des paniers en guise de cible. Le but de chaque équipe est de mettre un maximum de fléchettes en mousse dans le panier adverse. L'équipe qui met le plus de fléchettes sur les 3 matchs l'emporte. Et absolument rien à voir, mais je précise que les fléchettes en mousse flottent à la surface et que nous avons pris le temps de tout repêcher avec des épuisettes. C'était un moment très nul. Il est disponible à la fin de la vidéo si vous voulez rigoler. C'était très long et très chiant. Vous verrez. Et maintenant, c'est parti pour la bataille navale dans la vraie vie. Tu vois quelque chose? Tu vois une GoPro? Shoot là! Tu vois deux homosexuels habillés en marin? Les village people! Les village people, hey, hey. Les gars, c'est quoi l'intrigue? Pourquoi on se tire dessus déjà? Y'a pas de raison. Y'a pas de raison? Pour que les gens téléchargent le jeu. Ouais, c'est ça. De où tu viens pêcher sur mon territoire? C'est mes sardines ici. Tes sardines? C'est mes sardines ici. À quel moment y'a une propriété sur les sardines? Regardez sur les boîtes de conserve, y'a mon nom. Capitaine Cyril, la sardine, on m'appelle. Axel, on se casse, on se casse. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu veux jouer à ça, fils de pote? Tu te crois propriété des sardines? Ton bateau, il coule ton bateau. Jamais! Équipage, en position de guerre! Prépare la DCA! Oh, bon, 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 bon. Ok, je me cale sur leur tribord. Attends, ce qu'il faut faire, c'est qu'on arrive sur le côté. Oh putain, non, mec, 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 on se tient dessus. Attends, je tangue. Va-t'en, ensemble, ensemble. T'es prêt, Valentin? Prépare-toi à faire feu, c'est maintenant, go. Feu, feu. J'arrive pas, mais j'ai le feu. Il y en a une. Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Vas-y, vas-y, feu. Feu. C'est bon, c'est bon. C'était bien, c'était bien. J'ai pris munitions. Recharge, recharge. Ils ont rechargé. Oui, oui. Oui, Neoxy. T'es prêt? Je suis prêt. Ma feu. Ça tire pas. Attends, on fait un petit demi-tour. Ça tire pas. On a un problème de DCA. Ok, on est sur leur bâbord. Vas-y, vas-y, tu peux faire, tu peux faire. Le port de Sainte-Marie du Lac attend les bateaux à domicile. Une petite boisson sera distribuée à tous les marins. Ok, petite pause rechargement. On a mis un point dans leur cible et ils nous ont mis un point aussi. Il y a 1-1. Ça fait 1-1. On peut encore le faire. Il faut tout donner. Mais attends, eux ils ont mis un truc là. Oui, nous on en a mis un. On a mis 2. T'en as mis 2? T'es sûr? Eh, on a mis combien de flèches? Nous on en a mis 2. Non, t'en as mis qu'une. Il y en avait qu'une. Hein. Vous en avez enlevé? Ah, ils ont enlevé! Ils ont enlevé! Oh, les tricheurs! Non, t'as su de tricheurs là? Mais y'a rien, les gars! Vous êtes vraiment des Japonais! Dis donc! Pour des pêcheurs, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose dans les filets! Si vous voyez ce que je veux dire! T'inquiète pas, toi! Eh, vous avez clairement l'avantage sur nous, on est sur le côté, nous, hein! C'est bien ce que je dis, t'inquiète pas! J'avoue, il y en a une là! Ah, les enfoirés! Est-ce qu'on fait une petite. On fait genre, on veut leur parler, puis on tire d'un coup? Ouais. Ok, let's go! La stratégie, on l'appelle le cheval de Troie! Attendez, les gars, attendez 2 minutes! Quoi? Vous, sur le canon là! Ah ouais, vous attendez au moment où on est bien. Non, non, non! Ah, les couilles! Attaque! Attaque! Attends, Cassie, donc. Ah ouais, c'est bon. Vas-y, là, tu l'as. T'es prêt, vas-y. Attends, vas-y.
On l'a déglingué. Regarde ce qu'ils ont mis, mec, c'est chaud. Ils sont en train de couler. Ils coulent. Oh, mais mec, le gars, il a vidé son chargeur dans le filet. C'est horrible, ils ont vidé un chargeur dans le filet, vraiment. Il avait le canon dans le filet, il a appuyé, et c'est horrible. Dernier duel. Dernier duel, mais vous avez perdu. Allez, vas-y, 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 vas-y. Ça tire pas, ça tire pas. On est enrayé. Ils sont partout. On va jamais s'en sortir. Vas-y, go. Il triche, sa mère, connard. C'est ta bagarre. Et bon, c'est fini. Bien joué, Valentin. On a gagné. Bah oui. Oh là là. La manœuvre qu'on a fait. On s'est vraiment fait dégommer par des pêcheurs de sardines. Fais chier. Eh ouais, les gars, c'est ici la sardine. Eh, on pêche pas le maquereau ici, hein. J'avoue qu'on a toujours préféré le maquereau, c'est ça aussi. Très bien, nous avons perdu la deuxième partie. Maintenant, je suis dans une petite embarcation pour filmer la deuxième game. La deuxième game, c'est Vodka et Cyril contre Joyka et Mastu. Ça va être rigolo. J'espère qu'ils vont se faire défoncer, car je vis très mal ma défaite. Vous êtes qui, là ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est ma mère, ici. Bah, viens. C'est ma mère, bah, ici. C'est en train de s'embrouiller. Mais mec, les gars, c'est un pêcheur de sardines. T'as vu comment il est aimable ? C'est normal aussi que ça part en guerre, t'es marrant. Vous êtes prêts ? Artilleur en position ! Camarade ! Non, je m'enflamme peut-être un peu trop, vous me dites, hein. Ok, on les a en ligne de mire. Ok, je vais tenter une manœuvre, je vais les brain. Ah, c'est yes. Aïe. Nique ta mère. Ils sont très violents. Eh, hey, dans le respect, le combat. On respecte les traditions. Longue vie à vous, capitaine. C'est pas mon capitaine, c'est qui, lui? L'armée rouge est là. Le gars est pêcheur de sardines, qu'est-ce qu'il dit? Ouais, bah moi, j'aime bien... Pareil. J'ai investi en bourse. Ah, moi aussi. Ça n'a aucun sens. Je me mets en position de guerre. Non, Cyril, fonce. Ah, on a mis un point, n'oublie pas. Il y a pas de point, qu'est-ce qu'il raconte? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des pêcheurs là-bas, tout là-bas, qui nous regardent, qui se demandent qu'est-ce qu'on fait. Je vous ai parlé de mon enfance, parce que j'ai eu une enfance très chargée en termes de plaisir, hein, et j'aimerais bien parler là. Je suis pas sûr que ce soit vraiment le bon moment. D'accord. Ouais, c'est la guerre. Attendez, j'ai pas de tourelle. C'est pas tourelle, pas tourelle, c'est pas grave. Putain. Non, demi-tour, Cyril. Oh, il y en a un là. Oh, il y a le point. Allez, boum, qu'est-ce qu'il y a, les PD? 1-0 pour les macros. Un tribord. Un tribord. Il ne sait même pas son bavard de son tribord. Ah, ils se font bien, ils font défoncer, c'est chaud. Ah, c'est chaud. Non, rien, vous avez défoncé. Pas de quoi. Pas de quoi. 7. Mastu les a mis mal. Mastu les a mis mal. Oh, ça rentre là. Les pêcheurs de sardines, ça va? On a un problème aussi, ça pivote. Vous m'avez oublié sur le rivage, je suis tout seul. C'est fait exprès. Dégage. Mais non, parce qu'en fait, il n'y avait pas de place dans la barque. Ouais, si, il y avait de la place, tant pis. Ouais, on vient te chercher tout à l'heure. Oh, merci, trop sympa. 1 minute. C'est maintenant, Valentin. Allez, sauve-toi. Aïe. Oh, merde. Non. Vous allez, je vais le couler, ton bateau. Les gars, c'est la fin. Comptez vos points, bisous. Eh, lui, c'est un dictateur. Il y en a un devant et sur le côté, il y en a combien? Un ici. Il y en a qu'un. Là, il y en a 4. Ah, oh, bon, on a gagné. C'est pas parce qu'on a plus à l'intérieur que vous en avez mis plus, hein. Bah si. Qui a gagné, Maxime, d'après toi? C'est vous, je pense. Mais il en a mis 7. C'est fair play, les gars. C'est fair play, les gars. C'est fair play, alors on a gagné. On est pas bien, là, Yann. On est très très bien, là. Pourquoi se battre, après tout? Moi, je suis avant tout un viewer. Regarde comme ils s'aiment. Regarde comme ils sont beaux. Ils serrent la main. On a qu'à attaquer Maxime. Vous avez pas les cartouches? Vous avez des cartouches? Recharge, on attaque Maxime. Vas-y. Moi, j'ai jamais voulu me battre, hein. J'ai toujours voulu passer une petite soirée. J'ai toujours rêvé d'être commandant de croisière. Les gars, elle arrive, elle est là, putain. Ouais. Maxime, pour la rébellion romantique, capitaine dictateur. Mais c'est un débarquement. Pour la rébellion. Rébellion romantique. Pour une mer libre. Niveau attaque, on n'a pas le temps de recharger, mais on a quand même prévu de bien tirer. C'était bien ou pas? C'était pas mal, j'ai vraiment cru un débarquement. Il y a 7-7, égalité entre les deux équipes. Troisième game, maintenant. Putain, regarde-moi ça, Mastu. Eh ben, venez nous voir si vous êtes des hommes. Qui êtes-vous, messieurs? La douane, nous. Bah, on a pas de shit, hein, sur nous. Vous avez pas de shit? Non, on a rien du tout. Rien du tout. Cocaïne, non? Aucune substance illicite non, ici. Non, on a rien du tout. Même de la drogue? Non, on a pas du tout de drogue, hein. Pourquoi vous êtes habillés comme des gays? On va pique-niquer tous les deux, quoi. Vous pique-niquer des bites? Non. Non, on va juste boire un. On va boire un. Eh. Mec. Ouais. T'es prêt?
Bah bien sûr, on peut. Allez vite, on se casse mec. On a de la drogue. On a le bateau plein de drogue. Et on va aller là-bas. On va la livrer à nos clients. Et pas à vous. Eh attends, c'est marrant. Je vois deux grosses merdes au milieu du lac là. Eh Mastu, c'est marrant. Je vois deux grosses merdes sur la rive. Attends, fais voir. Ah, je les ai en visu. Waouh, c'est fou. Il y a deux grosses taches. Eh Mastu, regarde. Il y a deux grosses taches sur la rive. Eh, pourquoi votre bateau il avance pas? Bah on prend notre temps, c'est tout. Ouais, mais on est quand même en guerre. Ouais bah on peut être en guerre et prendre notre temps. Maxime, Théo, alors nous, juste on tient à vous dire, depuis tout à l'heure, je sais pas si vous aussi vous êtes impliqués dans le trafic, mais nous on a un peu de drogue sur nous, des substances illicites, et il y a la douane autour de nous qui nous filme de partout. On était en fait les gardes-côtes. Vous êtes en état d'arrestation. Mais qu'on sera jamais en arrestation. Matricule Hydroforce 3642, vous êtes en état d'arrestation pour trafic de drogue. Je vais vous rendre immédiatement, on nous engage dans les hostilités. On se rendra pas. Nous allons vous arrêter quand vous aurez rechargé, car nous sommes des flics sympas. Eh, vous êtes vachement gentil. Quand on a parlé tout à l'heure, avant qu'on se rende compte que vous étiez des méchants, eh ben sachez que vous étiez très sympathique. Est-ce que vous savez que dans une vie parallèle, dans un univers parallèle, on est en train actuellement de faire des choses très sales? Oui. Oui. C'est parti, on y va. Putain, j'étais presque. On les a dans notre dos, on les a dans notre dos, on les a dans notre dos. Ils peuvent rien faire, ils peuvent rien faire. Ils vont juste gâcher des balles. Oh, je l'ai mis. Faut piloter mieux que ça. Je suis enrayé. Mets-toi à l'arrière, à l'arrière. Oh, sur le bord, sur le bord, sur le bord. Yes. Ah non, 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 non. Tête de la tête des bisous. Yes. Casse-toi de là, casse-toi de là. Je leur en ai mis un, ils m'en ont mis un. Il y a un, les gars. Et j'en ai mis deux, hein. Il y en a mis deux. Deux, un. Allez. Arrête de montrer ta proue, connard. Il me fait brûler. Oh, on est vraiment dégueulasse. On va. Munitions. Qui veut des munitions? Mais qui veut les munitions? Ça veut dire qu'on vous arrête. Ah ok. Vous êtes toujours en état d'arrestation. On a fait une petite pause parce que c'est pas parce qu'on est en cavale qu'on a le droit de se reposer. Donc là il faudrait que vous soyez paniqué. Je vous vois. D'accord. Pas. Je suis je derrière vous. Vois pas. Derrière vous. Sur la gauche. Là, là, voilà. Je peux peut-être parler d'ailleurs sans ça, parce qu'on est à côté. Oui, on est à côté. Et en fait, si on vous attrape, vous allez en prison. C'est parti. On a plus de batterie. Ah si. Ah putain. Oh, il a réussi à la mettre. Oh oui. Eh hey, mais ça marche pas, putain. Ah yes, ils se sont enrayés. Mec, j'ai une technique. Ta gueule. Ok, il y a 3-2 pour vous, je répète, 3-2 pour vous. Je répète aussi que dans la vraie vie, les poursuites ne sont pas basées sur un système de points. Allez, oui. Oh oui, ne bouge pas. Mais quoi? C'est de la merde. Ça tire? Ça tire pas? Mais ça ne tire pas chez nous. Mec, je les ai déglingués. Malgré le fait que nous vous roulons dessus, nous vous fournissons de l'artillerie, alors qu'on pourrait très bien vous menoter maintenant, mais on ne le fait pas, car nous sommes des policiers, des douaniers gentils, qui permettront aux méchants. Et même pas poli le gars. Ils sont chiants, non? Eh, vous nous gavez là? C'est parti! Allez, let's go! Oh oui! Oh oui! 2! On est à 10! On a plus de balles! J'ai plus de balles! Fin de partie! Vous avez perdu! Victoire! Victoire! Alors les losers, bon, les gars, c'est maintenant le moment de savoir. Par qui a gagné. Où ton costume toi? Putain, la deuxième game il était comme ça, il était en mode détente, capitaine détente. Ok, le premier match, c'était Cyril Vodka contre Neocia Mixem. Il y a eu 8-1 pour Cyril Vodka. C'était très humiliant. Ouais, 8-1, c'était humiliant, oui. Oui. Le deuxième match, c'était Joyka Mastu contre Cyril Vodka. Il y a eu 7-7. Waouh, wow. Bien joué à vous, l'égalité. Et puis on a bien joué franc jeu, on a été jusqu'au bout. C'était un kiff. Foot de rue. Vraiment, je vais vous dire, vous allez me manquer. Et ben moi, tu sais quoi, tu vas pas me manquer parce que je pense qu'on va rester ensemble très longtemps. Et la troisième game, c'était Neoxia Missem contre Jordan Théo. Il y a eu 10-6 pour nous, bien joué. Bien, yes, 10-6, yes. Par contre, on a perdu avec 11 points. Vous êtes deuxième vous êtes premier, Cyril et Vodka. 15 points pour Cyril et Vodka, 13 points pour Mastu et Joka, et 11 points pour nous. On n'a pas démérité, on a tout donné, on est à fond, qui me touche les fesses là? Qui transporte des bras? Pourquoi j'ai une érection? Mesdames et messieurs, avant de partir, n'oubliez pas de télécharger World of Warships si vous avez le temps et l'envie. C'est un jeu cool, c'est un jeu gratuit qui soutient tous les concepts qui coûtent cher comme ça. Prenez 3 minutes de vos temps pour le télécharger, ça me ferait vraiment très plaisir. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Un grand merci à tous les youtubeurs qui sont venus parce qu'ils ont pris de leur temps pour venir tourner. C'est cool, merci à vous les gars. Leur chaîne est dans la description également. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Amixem, Buscavida. Et oui, mais ça c'est tout le temps pareil. Hein. Et maintenant, comme promis, le moment chiant.
Moment nul, nous sommes en train de passer des moments agréables à ramasser les petites fléchettes. Heureusement, grâce au courant, elles se situent toutes au même endroit. Oh putain, y'a un canard là-bas. Nous on les ramasse pas, on fait un petit tour en fait. Hein. Oui. C'est bon mec, on en a trois là. Est-ce que déjà on n'a pas fait un gros bout de chemin? Ah bah ça rame. Ça, tu l'as dit Maxime. Non mais t'inquiète, regarde, je peux quand même les choper celle-là, regarde. Hop mec, j'en ai deux. Allez mec, tu les as. Oh regarde ça, mec, regarde. Je mets un coup de pression, Coup de pression. J'allais vraiment pas aller le choper quoi. Normalement d'ici deux jours on aura fini. C'était le moment chiant.